suite à notre table ce soir un espoir césarisé en 2007, moliérisé 2 ans plus tard, et à ses côtés un petit jeune qui débute sur scène. Et le petit jeune qui débute n'est pas forcément celui qu'on pense. Bonsoir Rod Parado. Bonsoir. Merci bonsoir. Michel d'être resté avec nous. Le petit jeune qui débute sur scène, c'est Michel qui a fait ses débuts à 70 ans passés. Et l'espoir césarisé, puis la révélation au théâtre, c'est vous, Rod Parado, la tête haute qui vous a valu un César. Premier film, un César. Première pièce, un Molière, pour suivre la révélation. Vous êtes un peu le Kylian Mbappé, mais du cinéma et du théâtre. Vous faites tout très vite, très bien, quoi. Bah, écoutez, je suis super content. Et voilà, et espérons que ça continue. Après, c'est vrai que ça met une pression à chaque fois d'avoir des prix comme ça. Enfin, ça met la pression, quoi. On se dit, ah ouais, je mets la barre haute, quoi. Bah, je me dis, j'espère que je vais pas déconner en arrivant sur un tournage ou qu'on se dise, ah, c'est ça un césarisé, c'est ça un Molière, un moliérisé. Ah oui, vous avez... Bah, j'ai toujours une appréhension de se dire... De décevoir, quoi, la peur de décevoir. Ouais, c'est ça, en fait. Bon. Je pense que c'est bien. Il a déjà eu une partie du Ballon d'Or, alors que Mbappé a rien. Mbappé n'a pas encore le Ballon d'Or. Ne lui portez pas la poisse, Je pense qu'il va l'avoir, Mbappé, le Ballon d'Or, je pense. Mais est-ce que Michel aura un Molière alors qu'il démarre beaucoup plus tard? Ah oui, moi, je démarre très, très tard, moi. Moi, ça sent le sapin, moi. Moi, c'est le Molière d'honneur. Ah oui, c'est ça, ce sera le Molière d'honneur. Michel, je suis inquiète parce que vous avez déjà quasiment fini le plat préparé par Laurent Azoulay. Oui, j'étais en hypoglycémie. C'est dommage. J'ai pris ma tension, j'ai dit oh là là. Oh là là, c'est vrai. C'est dommage parce qu'on avait prévu une assiette pour vous conforme au régime. Voilà, imaginée par Pierre Lescure. Alors là, ça change tout. Voilà, des fruits secs, des bananes. Une banane, des pommes, des fruits secs. Enfin, c'est extraordinaire. Ben voilà. C'est Noël. C'est Noël et réveillons les deux. Si vous le voulez, on vous ramène le plat imaginé par Laurent, parce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est, Laurent? Alors, on part un peu sur l'automne, là. On a bien attaqué maintenant. Donc, c'est un crémeux de châtaigne, quelques cèpes, des coings, et également un mini salsifis, quelques noisettes. Et une petite vinaigrette, jus de volaille. Voilà. Voilà. Excellent appétit à tous. Et surtout à Michel, qui va se régaler avec son assiette régime. Le fils, c'est... Ça fait rire, Rod. Le fils, c'est un triomphe au théâtre. 3 mois et demi à guichet fermé, 6 nominations au Molière, 1 prix, le vôtre, celui de la révélation masculine. Résultat, c'est reparti pour 3 mois. On est très heureux pour vous. Bande annonce. C'est Nicolas. Pendant 3 mois, il a fait semblant. Qu'est-ce que tu racontes ? Tous les matins. Je t'explique la situation. Il n'est pas allé en cours pendant 3 mois. Je voudrais vivre avec toi. Tu veux dire ? Je sais que je peux m'en sortir, mais pas ici, pas tout seul, c'est trop dur. Quand tu l'as rencontré, le fait de savoir qu'il était marié et qu'il avait déjà un fils, ça t'a pas dissuadé. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nicolas ? Je veux que ce soit comme un nouveau départ. Et tu te remettes à sourire, comme tu souriais avant. Tu aurais dû me dire que tu passais. Je suis tellement contente de te voir. Tu m'attendais? Quand je suis angoissée, c'est une façon de canaliser l'angoisse. Mais quelle angoisse? Nicolas, c'est une façon de canaliser quelle angoisse? Il est étrange, Pierre. Il a parfois des regards inquiétants. Il est... Rod, vous êtes donc Nicolas, ce fils qui n'arrive plus à vivre et surtout que ses parents n'arrivent pas à comprendre. Ni même à écouter, et sur votre visage pendant la pièce, dès la première minute, la première seconde de votre apparition, on lit toute la souffrance, la douleur d'un enfant tout jeune adolescent écorché vif. Alors, on se dit que c'est votre métier, c'est votre passion, c'est votre nouvelle vie de jouer ça tous les soirs, mais jouer un écorché vif, quand on a votre joli visage, joli sourire et bon regard, tous les soirs, pendant 2 heures, 5 jours par semaine, pendant 3 mois, c'est pas trop dur? Bah si, c'est dur, mais c'est ça qui est bon aussi. Mmh. C'est que si c'est trop facile, c'est pas intéressant, hein, déjà. Ouais. Et en plus, chaque soir, c'est différent. Chaque soir, c'est différent et j'essaye de me raccrocher à des mini-choses qui fait que ça va changer et que bah, je vais m'en amuser, en fait. Mmh. J'essaye de toujours trouver une petite miette de choses qui va changer la pièce, quoi, entre guillemets, de jour en jour, quoi. Parce que si j'évoluerais pas et je chercherais pas justement à aller ailleurs à chaque fois, bah, je pense que je m'ennuierais. Oui. Mais c'est fou parce que
quand vous venez de donner une scène et un moment d'émotion fort, on entend dans la salle, je l'avais entendu dans la première distribution, dont vous étiez déjà, bien sûr, et je l'ai retrouvé là, on entend des sanglots réprimés par des mamans, sans doute, qui sont dans la salle, et des hommes aussi. Après, moi, je les vous les entendez, pas, non? Non, parce qu'en fait, en général, à part les cris ou les téléphones, les sonneries de téléphone, j'entends... Je suis tellement dans mon truc que j'entends rarement ce que les gens se disent ou... Leur réaction. Ouais. Vous êtes conscient d'être absolument, totalement, c'est rare dans une pièce à ce point, d'être le centre de gravité de tout le spectacle? Ah non, je m'en rends pas compte. Je pense que sans mes partenaires, ça marcherait pas. Oui, en même temps, c'est votre première pièce. La pièce a été écrite autour du caractère de votre personnage. Vous êtes entouré d'acteurs plus expérimentés que vous. Et vous êtes, c'est comme une pyramide renversée sur la pointe. Et c'est Rod qui est à la pointe. Bah, je suis content qu'on le voit comme ça. Mais en tout cas, je suis très bien épaulé. Heureusement que j'ai ces partenaires-là. Vous retrouvez Elodie Navarre. Je suis super content de retrouver Elodie Navarre. Je retrouve une nouvelle mère dont... Florence Darel, que j'ai beaucoup aimée et que j'apprends à connaître tous les jours. Et Stéphane Fraisse, votre nouveau papa. Stéphane Fraisse, mon nouveau papa, dont j'aime beaucoup. Et ça se passe très, très bien. Et on croit beaucoup en cette relation de père et de fils. Et on ressent notre amour, même. Mais est-ce que Florence Zeller vient régulièrement vous voir? Florence Zeller est beaucoup là et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et même Ladislas essaye de venir le plus possible. En ce moment, il travaille beaucoup, mais ils sont souvent là, ils nous épaulent souvent. Et c'est important chaque soir, avoir des petites notes, de changer des petites choses à régler, quoi, parce que sinon on s'ennuierait. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment. C'est un grand metteur en scène, Ladislas Chollard. Ah oui, très bon. Ladislas Chollard, bien sûr, le metteur en scène. Et on a posé à Florian Zeller la question, bon, on a changé d'une saison à l'autre plusieurs des acteurs, on l'a évoqué, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une représentation sans Rod Parado? Est-ce que le fils pourrait exister sans Rod Parado? Ben, en tout cas, de mon point de vue, c'est difficile de l'imaginer aujourd'hui. Il est tellement au centre de cette pièce. Quand j'ai écrit la pièce, je ne savais pas qui allait l'incarner. Dès qu'on l'a rencontré au casting, on a été saisi par lui. Saisi comme on est saisi par quelqu'un quand on tombe amoureux. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. L'intensité brûlante avec laquelle il l'incarne aujourd'hui me fait dire que ce serait très difficile pour moi de l'imaginer sans lui, sans sa belle présence. Voilà, la réponse est non. Ben, merci, Florian. Et puis en mai dernier, petite pression supplémentaire, c'était aux alentours de la 100e, je crois, de la pièce. Nomination au Molière et à l'arrivée. Et le Molière est attribué à. Rod Parado! Bon, c'est un truc de malade encore. César, Molière. Bon, je suis super content. Je suis super heureux d'être là. C'est un truc de ouf ce que je vis depuis que j'ai été découvert dans le milieu du cinéma. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous aime et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci et... Après que Rod Parado avait obtenu le César du meilleur espoir masculin. C'est vachement bien, hein? Ouais, c'est cool. Ouais. Est-ce que t'as bien dormi? Un petit peu, ouais. J'ai bien dormi. J'ai mis du temps à m'endormir quand même et à redescendre, mais... Ouais, je suis super content, en fait. Mais vous êtes hyper ému. Ouais, bah, c'est... Enfin, je suis content, en fait. Je me dis que... Enfin, c'est super cool de pouvoir briller comme ça, enfin... Mais de voir votre travail reconnu, parce que vous faites un travail absolument formidable. Mais je me rends pas compte, moi, du travail que j'apporte, en fait. C'est ça que les gens, ils comprennent pas, moi. Pour moi, c'est... Sur scène, t'as pas vu. Il y a rien de spécial, en fait. Je m'amuse, en fait, et... Mais sinon, pour moi, c'est pas, c'est dur parce que ça a été un travail super dur de faire des répètes pendant 3 mois et tout. Mais sur scène, quand je joue, j'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires, en fait. Et les gens sont, je sais pas, je leur transmets des choses, mais je suis super content, quoi. Mais Rod, qu'est-ce qui vous émeut? C'est que c'était pas prévu? C'est que c'était pas votre vie, là, qui est... Bah, c'est ça aussi, moi, j'étais pas du tout destiné à faire du cinéma. À aucun moment dans ma tête, je m'imaginais... C'était inaccessible, le cinéma, moi, avant. Donc... Que ça se passe, et que ça se passe de cette façon-là. Je suis super content. Ça m'aide à... Justement, en fait, il y a des gens qui pourraient prendre la grosse tête et tout, et moi, ça m'aide tellement à, justement, rester moi-même et me dire que...
avant, t'étais pas là, aujourd'hui, t'es là, mais tu peux aussi, tu vois, ça peut très vite s'en aller, tout ça. Donc, profite et donne tout ce qu'il y a à donner, et voilà, c'est tout, quoi. Vous dites la tête haute, mais froide. Ouais, j'essaie de la garder souvent, cette phrase. Il y a un truc vachement beau à la fin du spectacle, je trouve, et vous le faisiez déjà au mois de mai et aujourd'hui encore. Quand vous saluez, les autres saluent comme on salue au théâtre, machin, etc. C'est très bien, hein. Et vous, vous regardez les premiers rangs et vous dites merci beaucoup en regardant les gens. Bah, j'essaie de regarder tout le monde et de dire merci, quoi. Je trouve ça. Et c'est vrai que bah, moi, je trouve ça, même à la fin, il y a des moments où, comme là, j'ai pu être ému par la vidéo, il y a des moments à la fin où, quand les gens, comme dimanche, quand les gens, tu vois que toute la salle, elle se lève et... C'est, tu te dis, bah merci quoi, enfin, mais c'est vous merci. En fait, les gens ils disent merci à moi, mais en fait, c'est vous merci d'être là en fait. Alors, sur scène, quand tu as reçu le Molière, mais tu as revu l'extrait plus tard, tu as vu comme les visages de Zeller, de Ladislas Chola. Ils sont très heureux. Hein, et d'Élodie Navarre, comme ils sont contents pour et toi. Et même de ma petite chérie aussi, qui est très émue. Et ouais, je suis super content. Regarde comme ils sont heureux, ils sourient. Ils sont tous en train de sourire et d'halluciner en fait. Et c'est vrai que c'est dingue, c'est. Je pense qu'en fait, je m'en rends compte, mais je préfère ne pas m'en rendre compte en même temps et vivre le truc. Et voilà, on verra bien. Et il faut que je bosse, que je continue à travailler dur et on verra. Voilà. Alors, Rod, Michel Drucker aussi est un homme de scène. La seule différence, c'est que vous êtes monté sur scène à 21 ans et Michel, un peu plus tard. Je viens de l'apprendre, je ne le savais pas. Voilà. Le merci pour un peu plus tard. Ça suffit maintenant. Et sur scène, Michel Drucker, ça donne ça. 4 heures du matin, Drindri. C'est Johnny, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je dors. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now? Tu sais, le film de Coppola avec Robert Duval, ils sont à Catélico, ils attaquent le Vietnam. Eh bien, on va attaquer le Stade de France et tu vas me déposer sur la fule. Bonne nuit. Alors, Delon, c'est une autre histoire. Ça, c'est une photo sympa, c'est une des rares où il sourit. Drindri. C'est Johnny, qu'est-ce que tu fais? Si je dors. Mais tu dors tout le temps. J'aime beaucoup ce « tu dors tout le temps ». C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que je monte sur scène un des plus beaux moments de ma carrière et un de ses plus beaux souvenirs, c'est lui qui me l'a dit, c'est quand je l'ai amené en hélicoptère au-dessus du Stade de France après 6 mois de gamberge parce que la préfecture de police et les autorités compétentes disaient on ne peut pas survoler une foule en hélicoptère. Vous allez faire un petit tour comme ça. Alors lui voulait 4 hélicoptères. Comme dans Apocalypse. Il est rentré, parce qu'il m'appelait des Bahamas à 4h30 du matin. Et alors, soit Johnny, il rentre tard à 4h30 du matin, soit il regarde un film, soit décalage horaire, Jack Black, tout ça. Alors il m'appelait, puis un jour, je lui ai dit, écoute Johnny, réjouis-toi. On a le droit d'avoir un hélico. C'est pas bokeh. Mais et là, je vous la fais courte. On a répété, le jour J est arrivé, voilà, il est au-dessus de la défense, on est à 4 minutes de l'arrivée, hein. Et là, dans un vacarme assourdissant, parce qu'un rotor, même porte fermée, c'est très, très violent, j'ouvre la porte, il y a le copilote avec moi, qui est un plus compétent que moi, pour qu'on voit qu'on est au-dessus de la défense. Mm-hmm. 6 mois de boulot, enfin, et Jenny est comme ça, et là, il hurle dans le casque, repose-moi tout de suite, j'ai le vertige. Jenny, on est à 4 minutes de Stade de France, 85 000 personnes. Ça fait 6 mois que tu me gonfles avec ça. Mais... Ouais, mais j'ai le vertige, déjà tout petit. Et je crois que je vais gerber sur la défense. Il n'a pas gerbé. Et il l'a fait. Mmh. Ah, bravo. Okay, Michel, là, vous êtes. Et je raconte ça sur scène. Demain. Demain pour la dernière. Oui, on rappellera les dates, Michel. Demain et après-demain à Versailles. Vous jouez quand, du coup, alors? Parce que moi, demain j'espère que je vais pouvoir venir vous voir. Écoute, c'est les deux dernières au Théâtre Montpensier, mais c'est capté pour la télévision. Je te ferai une cassette, tu me donneras des conseils. Pas une cassette, pas une cassette, Michel. On est en 2018. Tu verras. un replay. Tu verras, il faut que je consulte mon Minitel. Et donc, et je suis en train d'écrire le prochain. Rod, vous trouvez comment, Michel Drucker, sur scène? Vous pourriez jouer, tous les deux? Bah, de ce que j'ai vu, moi, je trouve ça très intéressant. Il faut que je m'y penche beaucoup plus. Mais Oui, à mon avis, il faut que tu y penches beaucoup plus. Mais qui sait? Tu te rends compte si un jour on est ensemble, mis en scène par quelqu'un que tu connais? Mais ça serait génial. Ça ne sera pas l'histoire d'un fils, mais... Le petit-fils. Papy. Mais grave, en plus, moi, je n'ai pas eu de papy et j'aurais bien aimé avoir un grand papy, donc ça serait génial de pouvoir... Si je pouvais être ton papy au théâtre, alors là, l'idée naît ce soir. Ouais. Si ça se fait, c'est né
sur votre plateau, Elisabeth. Exactement, on aurait été les témoins. Rod, il paraît que l'une de vos références, c'est pas encore Michel Drucker, c'est Sylvester Stallone. Ce qui est assez surprenant quand on vous voit, et Sylvester Stallone, évidemment, qui l'a rencontré et interviewé. Évidemment, c'est Michel Drucker. Vous vous en souvenez peut-être, Michel. La première fois que vous avez rencontré ce grand acteur américain, c'était en 1979, dans Rendez-vous du dimanche. Là, vous avez un gant de boxe, glove, et une tête de lion. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le symbole? Well, what's the meaning of these? This one belonged to the great heavyweight champion Rocky Marciano. Le gant d'or appartenait au champion de boxe Rocky Marciano. Le grand Marciano, oui. And this has two meanings. Et cela a deux sens. One, it's tête de lion, oui. Right, lion. It's my rising sign. Qui est mon signe ascendant. And I believe it's the most magnificent animal on the earth, independent and strong. Je trouve que c'est l'animal le plus beau de la terre, indépendant et puissant. And when I was very poor, I used to clean lion cages. Je nettoyais les cages de lions dans les zoos. And I remember. Il est impressionnant, hein, la beauté du mec. C'est un grand homme, quoi. Il a une grosse présence. On sent qu'il est imposant, quoi. Alors moi, je l'ai retrouvé des années après dans le désert du Negev. J'en parle d'ailleurs dans le livre. C'était pas la première fois. Pour Rambo 3, pour le tournage de Rambo 3. Alors, c'était mon premier voyage en Israël. J'étais resté deux jours. Comme voyage initiatique, on fait mieux, puisque je suis resté avec Rambo dans le désert. Mais c'est un mec incroyable. Incroyable. Il vient souvent en France. Et je vais vous donner un scoop. Vous savez ce qu'il a fait pour gagner sa vie au début, bien avant d'être le grand Stallone? Gigolo. Non, pas gigolo. Il était moniteur d'enfants riches dans les pensions suisses. Et il s'occupait de la ménagerie du cirque Amar pendant un an. Pour gagner sa vie, il surveillait les lions et les éléphants du cirque Amar à la ménagerie. Quand il m'a raconté ça, je trouvais ça incroyable. Pourquoi il vous fait rêver? Pourquoi il vous plaît tant, Sylvester Stallone? Il me plaît parce que déjà, j'ai vu tous les Rocky. Après, moi, j'ai pas vu Rambo. Mon oncle, lui, avait regardé Rambo. Mais moi, j'ai pas regardé Rambo, mais j'ai vu tous les Rocky. Ouais. Et c'est vrai que, je sais pas, ça te fait un peu grandir et ça te donne envie d'être un homme, quoi, et d'être solide et d'affronter cette vie et de, tu vois, l'œil du tigre, mec. Ouais. Et même comme, Stallone et Belmondo, moi, pour moi, c'est des hommes qui m'ont fait grandir, quoi. Même si j'ai, comme je vous ai dit, j'avais jamais... Pour moi, le cinéma, c'était inaccessible, mais ces mecs-là, en tout cas, me faisaient grandir, même s'ils me faisaient pas penser au cinéma, parce que je pensais pas que ça allait être possible un jour. Mais en tout cas... C'était des figures. C'était des figures qui m'aidaient à devenir un homme. Alors, cadeau, 1976, on retourne dans la salle de boxe de Rocky avec Sylvester Stallone et son légendaire entraîneur, Mighty Mike. Hey, you got something for me? Yeah, there was some guy here from Miles Jurgens looking for you. They need sparring partners for Apollo Creed. Put me on. Here's the car. When was it here? About an hour ago. They're probably looking for sparring partners for Creed, you know? I said that before, you dumb Dago! You know, I've been coming here for 6 years, and 6 years you've been sticking it to me. I want to know how come. You don't want to know. Yeah, I want to know how come. You want to know? I want to know how! Okay, I'm going to tell you. Because you had the talent to become a good fighter. And instead of that, you became a leg breaker to some cheap second-rate loan shark. To live in? It's a waste of life. Et comme on a deux acteurs autour de cette table, on va vous demander de bien vouloir rejouer cette scène. C'est l'acteur studio. Vous êtes Rocky, évidemment. Michel, vous êtes Mike, normal. L'entraîneur par commode, pas commode, c'est à vous. Hey, il paraît que t'as un truc pour moi. Oui, il y a un type de Jürgen là, qui vient de passer. Il cherche un sparring partner pour Apollo. Donne-moi ça, il est venu quand? Il y a une petite heure. Sans doute qu'il veut un sparring pour Creed. C'est ce que je viens de te dire, espèce de rital de mes deux. Écoute, ça fait plus de 6 ans que je viens. 6 ans que tu me cherches des noises. Pourquoi ça, je veux savoir? Tu veux savoir? Je veux savoir ce qui va pas. Tu veux le savoir? Je veux le savoir, ouais. Eh bien, je vais te dire, t'avais l'étoffe pour devenir un vrai champion. Un vrai champion. Et au lieu d'en vouloir, t'as préféré faire des basses besognes pour un usurier minable. Je gagne ma vie. Non, tu la gâches, ta vie. Oh! Bravo. Ben voilà, mais... Merci beaucoup à tous. Ça demande d'être affiné. Oui, bien sûr. Non, mais l'essentiel est là. L'essentiel est là, jingle.
quand même. Non, c'était bien. Moi, j'y étais. J'étais dans la salle d'entraînement. Merci beaucoup à tous. Il faut aller le voir sur scène. Merci. Ah ben, moi, je l'ai vu sur scène. Quand je l'ai voir la première fois avant de les recevoir, j'ai pris une gifle. Exactement. Quel acteur. Il est formidable. Exactement. Merci beaucoup, c'est gentil. Moi, je faisais partie de celles qui étouffaient leurs cris dans la salle. Merci beaucoup, Michel Drucker. Il faut du temps pour rester jeune. Merci beaucoup. Et on a compris que ça fonctionnait sur vous, donc on n'a plus qu'à l'appliquer à nous-mêmes. C'est à lire chez Robert Laffont et vous serez, on l'a pas assez dit jusque-là, samedi et dimanche au théâtre Montansier à Versailles. Demain soir, demain et dimanche. Exactement, avec pour les deux dernières de votre spectacle. Spectacle seul en scène, seul avec vous. Pardon, je vais y arriver. Merci beaucoup, Rod Parado. Le Fils, c'est au théâtre de la Comédie des Champs-Élysées à Paris et c'est jusqu'au 30 décembre. Et puis, on vous verra dans la série Ad Vitam tous les jeudis du 8 au 22 novembre sur Arte. Arte. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Entrée Libre, Claire Chazal. Demain, c'est l'Hebdo avec Ali Badou. On se retrouve lundi avec Gilles Lellouche, Benoît Poelvoorde et Philippe Catherine. Pas mal. Ils sont à l'affiche du Grand Bain. Un bijou. Ouais. Et on se tourne vers Sébastien, si vous le voulez bien. Caméra. Pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci Michel, merci Rod, merci Sylvester Stallone, qui était là un peu ce soir avec nous. Bon week-end, à lundi.